président ya Rwanda. Donc bakangie kato kangie ka. En tout cas le sac là bas à Londres. Hein. Président à Rwanda, donc ma kangye kato kangye ka. En tout cas le sac là-bas à Londres. Hein. If you talk to bad for Kagame, not to arrest people. Yeah, your police should do security. No fighting, no intimidating people. It's not for you. We need to remain peaceful, isn't it? Comment on what? If it's peaceful, what an organised, then you've got nothing to fear. Thank you very much. Thank you very much. Président à Rwanda, donc bakangie kato kangie ka. En tout cas le sac là-bas à Londres. Hein. Président à Rwanda, donc bakangie kato kangie ka. En tout cas le sac là-bas à Londres. Hein. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout où vous nous suivez, de partout où vous êtes connectés toujours sur
congosynthèse.com. C'est votre humble servante Marceline Mido, Igwe de la presse congolaise, Moto Volka Mokonzi. Alors, tous remercier Bino parce que tu es bien que vous avez branché, connecté, Bolanda émission, oh, Bolinga Kamingi, Congo Bololo. Alors, cette émission, Bokolanda Yangope, na www.tolobelavie.com. Ezali andeko na biso au papi again na France. Donc ma émission na biso ya Congo Bololo au banda kolanda ngo na site na biso oyo. Alors ndenge bomuti déjà komona bazo laksa image oyo ya makambo elekaka pona bandeko na biso ba combattant. Bomoni ndenge ba combattant ba vibraki, bomoni vraiment ndenge papa na biso to perda oti lelo souci et si la kala motie ma le grand résistant combattant papa nabiso Albert Mukendi oya tiki biso ndengaza koloba tokangie catch tokangie catch. Alors lelo bande koto e kopesa bino actualité à Congo. Je sais que l'émission auto sala ki la fois passée na bande ko nabiso ba combat ba résistant pardon auto yamba ki na poko na lelo ezala ki vraiment somme. Nazui ba coup de fil de partout, ba coup de fil de partout, ba tu baza ko lela, ba lou ba kote kuna, ba tomboki, kote kuna, ba bande kwe bele, ba leli, ba lobi, mais comment ma kamba boy ko ko salama la communauté, comment ma kamba boy ko ko salama la RDC, surtout la diaspora, alors bande ko mwen ya koloba minge zalite, bande kwe bele, ba lobi ke non, toza pe na besoin ya kozoa réaction, ya professeur Julien Tchakoudia. Alors toza na bande ko, tozo remercier, tota nga kombo na binote, oyo vraiment bo fouti émission, ya po kwa na lelo, po na prof Aleka, ameka kope sa biso message, na makambo ezo leka, na kati ya RDC mboka na biso, précisément na biso bato toza na diaspora, awa, vraiment biso bato toza li, na kati ya UK, na Angleterre, na zone rouge. Alors, bon, outil comme on a déjà titre, Rabisso. Le titre est Ali professeur Julien Tchakoudia. Oyaza Kolobake, Kagame et Museveni à Londres, les combattants infiltrés. Mamma mia, donc, toza la présence, il y a Kagame. Toza la présence, il y a Museveni. Awana Londres, mais wapi ba combattant. Lelo mitune Ali et Bele. Où sont les combattants? Où sont les résistants? Tokomi tout na makambu ya papa na biso sergent Mokre kese. Tomoni ba réaction ebele. Mais lelo oyo Commonwealth fe outi ko sala somme monene awa en Angleterre, mais silence radio. Alors, tozo yamba yemei le professeur Julien Tchakoudia oyo apesa kabiso toujours a informa kabiso. Oyo ameka opesa biso mwa histoire ya Congo pour na biso oyo toyebi peut-être histoire ya Congo te o apesa kabiso ba point de vue na ye comment politique ya Congo ezo marché. Alors on a ke directement ko recevoir le patriarche professeur Julien Tchakoudia otozo ya mana poko na lelo. Bonsoir papa. Bonsoir maman Marceline. Comment vous allez papa? Moi je vais bien, je suis au four et au moulin, mais je vais bien avec la grâce de Dieu. Mm-hmm. Donc Dieu nous fait grâce, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Et vous étiez en voyage, vous étiez parti en Afrique du Sud? Non, je ne suis pas parti en Afrique du Sud parce que la cérémonie d'enterrement de ma soeur, ma camarade, maman, nos amants, Madi Zikela Mandela, s'est déroulé comme c'était prévu à Soweto. Yeah. Mais Soweto, ce n'est pas un bon milieu où tu arrives comme ça. Donc, il fallait que la sécurité devrait être au point. Yes. Et c'est comme si les choses se sont passées assez vite et le président Ramaphosa devrait venir à Londres. Et il y avait aussi beaucoup de tensions en Afrique du Sud. Vous voyez qu'il n'a même pas terminé le sommet. Il est reparti parce qu'il y a des soulèvements là-bas partout. Ouais. Et donc, en dernière minute, j'étais avisé de ne pas y aller, mais je viens d'effectuer, je reviens là vite pour suivre le sommet. Mm-hmm. Et j'étais entre la Belgique et la France. Mm-hmm. Et je suis revenu le lundi, parce que le sommet devrait s'ouvrir le lundi. Mm-hmm. Et ça s'est clôturé aujourd'hui. Donc, le Commonwealth Summit pour l'année 2018. Ouais. Tous les chefs d'État, 53 chefs d'État devraient être à Londres. Yes. Donc, je devrais être
ici à Londres pour suivre le travail du sommet. Voilà. Alors, professeur, toqué directement na profondeur et émission na biso. Prof, tozo kende directement par rapport ya titre oyo, eza déjà affiché na ba écran na biso. Tomoni sommet ya ba chef d'État ya Commonwealth oyo ba sangani lelo. Pour na kolobela makambo, je ne sais pas kolobela makambo ya Afrique. Alors, prof. Réaction à Ezali Nini. Potomoni, Commonwealth, divisé en trois. Tozomo na Tozali na Commonwealth, Tozana Francophonie, et puis Tozali na Ligue Arabe. Mais, Kalamingi te Rwanda na 2009, Tomoni a rejoindre Commonwealth. Des fois, tu vas se poser la question, balobi, mais Kagame Oyo, comment a koki ko rejoindre Bango, tandis que tu koutou bamane ko préféré peut-être RDC, biso peut-être to kota na Commonwealth, mais to moni déjà Kagame papa a précédé biso pour na kokota na Commonwealth. Lelo Oyo, awa na kati Angleterre, ça fait 5 jours, Oyo ba outi ko sa la sommet la Bango. Tomoni présence ya ba président en fait totangana no Museveni na Kagame po Bango vraiment bazaba oyo yolo baka tout le temps que Bango vraiment nde bazo déranger Congo. Tomoni présence na Bango awa, alors na katia présence na Bango awa papa, ni réaction na bino ba résistant, ni réaction ya ba combattant, ni tomola ta mutu moko na drapeau po la koke ko telemela Kagame nenge ba utaki ko telemela ye na bandeko na biso Albert Mukendi, silence radio ezadu ya quoi. Et puis bandeko bazo landa biso papa, est-ce que vous avez un mot à dire na sommet au Ucho Salama? Merci. Donc, avant na kota na Mozindo, il y a une question, qui est une question très importante. Yes. Na ligne quand même, de me faire un devoir de saluer d'abord mes compatriotes, partout où vous êtes, voilà. Les Congolais, les Congolaises, surtout les mamans. Il y a beaucoup de mamans qui m'appellent. La nuit, j'ai parlé avec une maman dont je vais taire le nom pendant presque 3 heures et qui me posait autant de questions et tard la nuit. Et je tiens d'abord à dire merci à ceux-là qui ont financé cette émission, les combattants. Vous voyez, les combattants, il y a des bons combattants. Il y en a qui vous ont appelé, qui ont financé l'émission pour dire « Papa Tchakoudia Ayakoloba ». Je les remercie et je leur ai dit « Bravo, nous sommes ensemble ». Deuxièmement, j'ai regardé tout à l'heure sur mon Facebook, il y a quelques Congolais, des jeunes Congolais qui ont eu les diplômes aujourd'hui à travers Londres, partout en Angleterre. Aujourd'hui, là, j'ai vu quelques diplômes des jeunes Congolais qui ont terminé les études universitaires avec leur toge et tout. Ça aussi, je tiens à dire félicitations à tous ces jeunes-là, parce que je tiens quand même que notre communauté ait des jeunes gens Oyo Bazakozwa, ba diplôme Yabamboka Oyo. Et je le dis aussi pour tous les jeunes gens qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont dans les pays scandinaves, qui sont en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout en Afrique, surtout ceux qui sont en Afrique du Sud, botinda bana na classe bazwa ba diplôme, parce que au Congo il n'y a plus d'université et il n'y a plus de recherche, il n'y a plus d'études normales. Donc enseignant que je suis et universitaire que je suis, je souhaite que bana bazwa mayele. Parce que demain, si vous prenez le pouvoir du Congo, mais vous allez construire le Congo avec qui? Donc il faut que des jeunes aient des capacités scientifiques pour pouvoir construire le Congo de demain. Alors à tous ces jeunes que j'ai vus aujourd'hui, je ne connais plus encore vos noms. J'ai écrit à vos Facebook ou bien vos Facebook de vos mamans, vos parents pour vous féliciter. Mais j'en profite pour dire à vos parents félicitations, dire aux jeunes gens félicitations aussi. Et en même temps, ceux qui aujourd'hui ont leur birthday, particulièrement Mama Del qui travaille avec moi. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et puis c'est aussi une occasion de reconnaître tout le travail qu'elle fait autour de moi avec Maître Bamenga. Bon anniversaire. Donc, bon anniversaire Mama Del. Bon anniversaire et, Mama sachez Del. Sachez que je vous porte dans mon cœur et quoi qu'il arrive, tout ce que vous donnez, ça va être récompensé par les Congolais ou par le Congo un jour. Donc aussi à ceux qui ont perdu des membres de famille, des Congolais qui sont malades, surtout ceux qui sont en deuil, je présente mes condoléances aussi. J'en profite pour présenter les condoléances. Et maintenant, je reviens maintenant à la question. Permettez-moi d'avoir fait ce crochet-là.
Pas de problème. Je reviens maintenant à la question. Le sommet du Commonwealth regroupe 53 chefs d'État d'obédience britannique. Mm-hmm. La Grande-Bretagne avait colonisé beaucoup de pays. Yeah. En tant que nation, ils ont colonisé beaucoup de pays. Par contre, le pays comme la France a colonisé quelques pays d'Afrique. Le pays comme la Belgique n'a colonisé que le Congo, donc l'ex-Zaïre, le Rwanda et le Burundi. Il y a eu un moment où on parlait du Congo et Rwanda-Burundi. Voilà. Alors, nous étions connectés, si bien qu'il y a eu des Rwandais qui venaient travailler chez nous dans des mines, et ou des Burundais qui venaient travailler chez nous dans des mines, comme c'était des jeunes gens, ils ont eu des enfants avec les jeunes filles qu'ils trouvaient là-bas. C'était des jeunes garçons qui venaient travailler dans les mines. Il fallait prendre des jeunes de 20 ans, 25 ans, 24 ans, 23 ans. Et quand ils venaient, donc, c'était des jeunes. Et pour se défouler, ils devraient avoir des femmes sur place. Certains se sont mariés, certains ont fait simplement des enfants. Et à un certain moment, ils sont retournés chez eux et certains ont choisi de rester au Congo. Donc, vous les avez trouvés dans l'histoire au Katanga et au Kasai, à Mbujimayi précisément chez moi, et à la Miba et tout ça. Donc, voilà que nous avons une histoire liée, c'est si bien que du temps de Mobutu, il n'y avait pas un Congolais qui allait fouiller qui est qui fait quoi, qui est ce Rwandais, qui est ce Tutsi, tout ça. Mais c'est à partir de vers la fin de Mobutu, 96, ce qu'on a appelé la guerre de libération commence, et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, et quand nous avons vu la position des Rwandais, Tutsi, chez nous, et ce qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui, de voler, violer, tuer, faire du n'importe quoi dans notre pays, occuper le sommet de notre État, infiltrer notre nation, c'est là que tout le monde s'est réveillé. C'est là que nous tous nous sommes réveillés pour dire, mais non, nous devons stopper cette histoire, donc maintenant nous devons savoir qui est qui. Le sommet est arrivé. Avant que ce sommet n'arrive, le sommet a commencé le 16, je pense lundi, c'était le 16, hein? Le 16 avril. Depuis lundi, et ça a clôturé aujourd'hui avec l'élévation du prince Charles comme le successeur de la reine de l'Angleterre, Sa Majesté la Reine. Et comme leader du Commonwealth. Mm-hmm. La reine a demandé hier à l'ouverture du sommet proprement dit des chefs d'État pour dire que c'est mon père, mon papa qui avait initié cette conférence qui se tient à chaque 2 ans du pays du Commonwealth, donc le pays. Avant que la colonisation ne termine, le papa de la reine de l'Angleterre avait déjà imaginé qu'il fallait conserver cette cohésion-là. Mais comment? Quelle forme nous allons prendre? Ils ont pris la forme de Commonwealth. Mettre tous nos efforts ensemble pour notre bien commun. Au lieu de se laisser comme ça, ils ont dit non, nous allons toujours continuer, mais pas avec la colonisation, mais nous allons nous mettre ensemble pour nos biens communs. Le sommet qui vient de terminer aujourd'hui à Londres a abordé des questions de politique internationale, questions de sécurité, questions d'environnement, question de cyber-internet, donc le crime de cyber-internet. Quelque chose qui nous préoccupe, nous, c'est quoi? Vous avez posé une question, vous avez dit, comment Kagame, qui est du Rwanda, le Rwanda qui était un pays colonisé par la Belgique, qui parlait français, le pays qui parlait français, qui était colonisé par la Belgique, comment Kagame, qui prend le pouvoir en 1994, donc le Rwandais, donc le Tutsi font un coup d'État militarisé, donc la rébellion, ils prennent le pouvoir au Rwanda en 1994, et plus tard Kagame prend le pouvoir et avec l'aide de Museveni, ils vont faire entrer le Rwanda chez le Commonwealth, donc chez les Anglo-Saxons. Le Commonwealth, c'est l'ennemi des Anglo-Saxons. Mm-hmm. Lui qui était... Et le Rwanda était belge, était de colonisation belge. Mm-hmm. C'est comme le Congo-Brazzaville, colonisation française. Mm-hmm. Et nous, le Congolais du Zaïre, et l'ex-Zaïre, colonisation belge. Mm-hmm. Nous sommes restés francophones, mm-hmm. donc nous participons au sommet de la francophonie, yes. avec la France,
La France s'est organisée aussi pour avoir tous ces pays francophones de l'Afrique pour organiser des sommets de la francophonie. Or, l'Angleterre a commencé depuis longtemps avant la France pour créer le Commonwealth avec 53 pays. Ils sont puissants parce que c'est par là qu'on décide de business du monde. Donc, ce sommet aussi a abordé une question que je n'ai pas dit, la plus grande question, c'est business trade. Donc, les affaires, qui c'est, ce sont eux, en tout cas, le moteur même des affaires dans le monde. Parce que le business se réalise en anglais. On ne fait pas de grandes affaires en français. Ça se fait en anglais. Donc, c'est l'Angleterre qui a le gros morceau. Et Kagame, étant venu de Museveni, Kagame était dans le maquis de Museveni. Kagame sont des enfants Tutsi qui étaient partis en exil en Ouganda. Quand chaque fois, il y a un cycle de violence au Rwanda, de Hutu et de Tutsi. Et quand les Hutus ont pris le devant en 59, les parents de Kagame ont fui avec leurs enfants dans différents pays environnants, dont l'Ouganda, le Burundi et le Congo. Donc, na Ouganda, bakoti na maki ya Museveni, quand Museveni a commencé le maki, bakoli pe bakoti bana mike na maki bana wana mde ba Kagame bakoti na maki ya Museveni. Donc leur Museveni a eu le pouvoir en 86 au na Ouganda. Kagame a occupé une fonction stratégique en Ouganda comme Ougandais, parce que quand ils arrivent quelque part, ils sont comme des lézards. Quand ils arrivent quelque part, ils prennent la couleur de ce pays. Ils vous disent que nous sommes d'ici. C'est comme ceux qui sont maintenant chez nous, les Roubérois. Ils vous disent, nous sommes des Congolais. Et les Moïse, Nyarugabo et les autres, ils vous disent, nous sommes des Congolais. Alors, étant en Ouganda, Kagame était devenu chef de military intelligence de Museveni. Quand Museveni a pris le pouvoir en 86, Kagame était le chef de military intelligence. Donc, l'intelligence militaire, les services des secrets militaires de Museveni. Il y a eu beaucoup de Rwandais, de Rwandais Tutsi qui ont occupé ces fonctions-là en Ouganda. Fonctions militaires, fonctions de police, fonctions de services de sécurité, d'intelligence, fonctions dans des business, ainsi de suite. Et vers le 94, ils se décident maintenant avec leur frère Museveni, parce que Museveni, c'est un Tutsi Rwandais qui est venu à l'âge de 7 ans avec sa mère en Ouganda et qui a occupé l'Ouganda. Donc, l'occupation que nous avons aujourd'hui, ça commence depuis l'Ouganda. Donc, depuis leur maquis, Museveni, qui était lui, frère Tutsi, il va prendre ses frères Tutsi, ils vont monter une rébellion avec certains Ougandais, et ils vont prendre le pouvoir en Ouganda, et plus tard, il va aider ses frères Tutsi à retourner chez eux, prendre le pouvoir de politique au niveau du Rwanda, en 1994. Alors, le lien est resté entre Kagame et Museveni, qui fait que au moment où les Tony Blair, quand je vois nos compatriotes qui affichent des photos avec des Tony Blair, mais Tony Blair, c'est lui le mastermind de tout ce qui nous arrive au Congo aujourd'hui. Tony Blair était premier ministre ici, il s'est arrangé avec deux dames dont j'étais le nom pour le moment. Une était ministre de la coopération britannique, elle est connue, et une est au Sénat. Donc, ce qu'on appelle chambre de l'ordre britannique jusqu'à aujourd'hui. Mais il vit en cheval entre Ouganda et Londres. Mais il est membre de High Court, la chambre haute britannique qu'on appelle le Lord. Donc, pour dire ceci, pour dire que c'est à cause des acquaintances. Il y a Gaga maintenant Museveni dans les dossiers où il y a occupation du Congo, dans le pillage du Congo, qui fait que le Tony Blair, qui est leur conseiller, Tony Blair est à la fois conseiller de Museveni, conseiller de Kagame et conseiller de plusieurs chefs d'État dont les pays sont en guerre. C'est un conseiller stratégique des pays en guerre où on cherche à piller par des multinationales de leurs obédiences. De Yanini, Yakuiba, Nakati Afrique. Tony Blair a conseillé Museveni de conseiller Kagame de prendre le Rwanda parce qu'ils avaient des intérêts communs. Il y a occupation, il y a Congo, il y a pillage, il y a Congo, avec l'Américain Bill Clinton et la femme de Clinton qui occupent des fonctions stratégiques aux États-Unis. Ils ont mêlé Clinton à leur aventure
avec son épouse, Madame Hillary Clinton, et voilà qu'ils ont tiré maintenant Kagame vers les anglo-saxons. C'est stratégique pour que tout ce qui se passe au Congo puisse être géré par Kagame et Museveni. Kagame et Museveni font ce qu'on appelle la guerre de proxy, proxy war. Donc, ce sont des ailes, ce sont des bras que les services de Tony Blair utilisent pour entrer au Congo, faire du désordre, créer des rébellions et voler l'économie, les ressources du Congo presque gratuitement avec des multinationales interposées. Donc, ça c'est la première partie de votre question. La deuxième partie de votre question, c'est que comment Kagame et Museveni arrivent aujourd'hui, cette semaine d'avril 2018, tout paisiblement à Londres, comme si les combattants n'existent plus. Alors que Londres est la capitale rouge du combat, de la résistance contre l'occupation et le pillage des ressources du Congo, exactement, contre les génocides du Congo. C'est de Londres que nous avons lancé le message à travers le monde. C'est de Londres que nous avons engagé tout le monde entier. Vous me voyez avec la couleur jaune. La couleur jaune qui veut dire les ressources du Congo, qui est dans notre drapeau. Donc c'est de Londres que nous avons demandé à tous les Congolais de se mettre debout pour tous les problèmes Oyo. Et Ngaï n'a eu vendre à Londres comme nouveau De Gaulle pour dire que ce que De Gaulle a fait du temps de l'occupation nazie, il y a Hitler, pour jouir de la France en utilisant des collabos français, des infiltrés allemands et des espions français. Donc le même travail que De Gaulle avait fait, c'est le travail là que je viens faire à Londres. Mais mes bras, c'est quoi? Mes bras, ce sont des combattants, des résistants qui sont en Angleterre et qui sont partout dans le monde. Mais voir aujourd'hui Museveni et Kagame passer toute une semaine à Londres. Ils ont terminé cette conférence de Commonwealth aujourd'hui, le vendredi 20, qui a commencé le 16, le lundi. Ils ont eu à passer paisiblement à Londres sans qu'il y ait une petite manifestation des combattants. Pourquoi ça arrive comme ça? Kagame a eu, vous vous souvenez, il y a quelques années... Est-ce qu'ils étaient au courant ou pas, les combattants, les résistants? Madame, de votre micro, de ces studios ici, j'avais dit aux combattants, comme j'avais dit pour Oxford, que l'air Kagame venait à Oxford, à l'université d'Oxford, j'avais lancé l'alerte pour dire « Tokenda Koukou Fabiso Yonsona à Oxford, Kagame a zakoya telle date à Oxford. » Tokenda Koukou à Oxford. Bon, mon aki moussala tosalaki. Comment ils ont fait le boulot avec les autres combattants. Donc moi-même, j'étais sur place à Oxford avec toute cette équipe-là. J'ai lancé des messages en lingala, en français, en anglais, pour demander même aux Africains de venir avec nous à Oxford pour qu'on aille mourir avec Kagame à Oxford. Et nous avons fait un grand travail qui a humilié Kagame le monde entier. Ça a été suivi par nos combattants du Canada à Toronto. L'année d'après, Kagame a voulu s'essayer à Toronto. Nos amis, les amis combattants du Canada, sont partis à Toronto et vous avez vu une grosse pierre dans la voiture de Kagame. Kagame a failli mourir à Toronto. Kagame a failli mourir à Oxford. Et Kagame ne pardonne pas, Kagame le dit bien. Toute personne, intérêt à Rwanda, il doit mourir. Nous devons les tuer. Vous avez vu Kategeya, son ancien... chef d'intelligence militaire du Rwanda, Ntutsi, qui a été tué violemment en Afrique du Sud. Vous avez vu Kayumba Nyamwasa en Afrique du Sud, qui a ramassé des balles dans le ventre, qui vit encore avec des séquelles de balles, et Kagame le dit, non simplement qu'il menace, mais il le dit, il a même dit ça au président Kikwete qui voulait appuyer notre cause de combattants. Il a dit à Kikwete de Tanzanie, Ngaina Kubumayo. Et Kikwete, heureusement, il lui a dit, ça, la Tanzanie, c'est pas le Congo. Je vais moi te tuer. Je vais t'avoir. Alors, ce que Mukendi et les autres combattants, et nous tous, nous avions fait à Oxford, Kagame n'a jamais pardonné. Il est venu à Londres le lendemain, après Oxford. Et vous connaissez son discours qu'il avait tenu à Londres devant le Rwandais. Très fâché. Papa. Il était très fâché. Voilà. Il a dit que Bokenda Kubaka Makiwana, Bokenda Kulia Makiwana. Vous n'avez pas à manger. Mais il faisait ça. C'était Nakuzongi Selebino. C'était un combat. Kagame avait fait comme ça. Vous vous souvenez de ce que le geste de Kagame à Londres. Quand on fait le combat, il n'y a pas de complaisance dans le combat.
Il faut connaître que chaque geste que vous posez a des conséquences. Mukendi est resté dans toutes les maisons. Mukendi est resté ouvert à tout le monde. Exactement. Il est où aujourd'hui? Et vous voyez qu'il y a une lettre qui circule de l'ambassade du Rwanda qui donne mandat à des Congolais achetés qui ont infiltré les combats pendant, depuis Oxford, qui étaient les amis de Mukendi. Certains qui étaient même dans ma maison comme Patrick Vubu. Patrick Vubu était impliqué, je vais revenir là-dessus, à plus tard. Il était impliqué dans beaucoup de dossiers très graves avec moi. Mais je l'ai vu sur, j'ai vu son nom sur ce document-là. Mais je suis surpris de voir ce jeune homme à qui j'avais donné une confiance terrible sur des dossiers très graves. Des dossiers très graves. Et je vois Patrick Vubu aller à Kigali. Il est allé vendre ces dossiers-là qu'ils avaient déjà tué dans l'œuf. Ça veut dire que depuis Oxford, Kagame, ils ont pris le temps avec Museveni de pénétrer notre milieu, d'acheter nos combattants et de programmer maintenant, parce que après Oxford, c'était Londres, de Londres, c'était Toronto au Canada, où il a eu des problèmes aussi avec des pierres, où il a failli être tué. La pierre est entrée là où il était. Kagame a compris qu'il y a une liaison entre Londres et le monde entier. Donc il faut maintenant saccager Londres. Et c'est, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup d'argent qu'ils ont déboursé pour pouvoir récupérer nos frères que vous voyez sur cette liste. Et sur cette liste, on vous dit, ces gens ici vont aller au Rwanda en tourisme. Est-ce qu'il y a du tourisme au Rwanda? Vous avez déjà vu qui quitte son pays pour aller faire du tourisme au Rwanda? Ça, c'est du camouflage. Mais ce sont ces gens qui ont tué Albert. Et ce sont ces gens ici qui sont en train de paralyser maintenant la lutte. Toute la semaine ici, Kagame savait bien avec Museveni qu'il venait ici du 16 au 20 avril. Mukendi est mort quand? Parce que Mukendi était le seul combattant ici. Il avait ses mal, il avait ses biens. Mais moi, je reconnais que Mukendi, quand il voulait faire ses manifestations, même à lui seul, il allait écrire ses pancartes, il allait aller là-bas faire la manifestation, même à 2 ou à 3. Mais ils se sont dit que ce monsieur va réveiller encore ses amis-là des combattants. Il faut l'anéantir avant Tokota dans Londres calmement. Ils ont tué Mukendi. Nous avons enterré Mukendi quand? En février. Ils l'ont tué quand? En janvier. Mukendi a reçu 2 coups. Mukendi n'est pas mort d'une mort normale. Ça, je dois dire aux Congolais, surtout aux combattants de Londres. Mukendi n'est pas mort d'une mort normale. Mukendi a été tué. Mukendi a été... Mais qui a tué Mukendi? Mais vous voyez, des documents qui circulent. Mukendi meurt, ce groupe-là va à Kigali, et Kagame atterrit ici en douceur. Pas de manifestation. Pour une fois à Londres. Professeur, maintenant, nous toyo ki bango. Pour une fois à Londres. Il faut toyo kananou bango, jusque-là, nous toyo ki bango. Bah, yo kaka ba traître, t'es. Il ne faut même pas dire ça. Le traître, on le tue. On ne l'écoute pas. Il viendra avec sa version. Il va vous dire qu'il est allé faire le... Il y a du tourisme au Rwanda. Dans ce papier, on vous parle du tourisme. Est-ce qu'il y a du tourisme au Rwanda? Vous voulez qu'on nous tue tous? Vous connaissez quelle mission on leur a donné maintenant sur nous? Ce que je suis en train de dire ici, c'est très grave. C'est très grave. Colonel Forfait m'écoute. Colonel Forfait, si vous m'écoutez, dans cette maison-là, où je vous ai amené, avec le général Tshishimbi, qui est venu de Bruxelles, avec Abranches, avec... Ma secrétaire Valérie, colonel Forfait et Vubu, nous sommes arrivés avec vous dans une maison où nous étions invités par une haute autorité d'État et à qui j'ai confié la mission devant colonel Forfait, qui m'a salué pendant 10 saluts militaires pour dire ce qu'on est aux Ubokonzi. Colonel Forfait, il connaît de quoi je parle. Mais qui j'ai confié, à qui j'ai confié, qui de nous j'ai confié à ces gens-là? Ce n'est pas Vubu. Ce n'est pas Vubu qui devrait effectuer la mission. Mais quand nous sommes arrivés dans mon salon, nous avons élargi. Nous avons fait venir Pasteur Chabagne, Kabengele, qu'on appelle le colonel, et Jean René. Vubu était toujours là. Et le lendemain, Kikaya a pris l'avion. Dans mon salon, Kabengele est venu avec un téléphone à la main. Il y avait 2 téléphones à la main. Et un téléphone était en train d'enregistrer tout ce que nous faisions. Et Kikaya suivait dans son oreille.
Et le lendemain, Kika a pris l'avion, il est allé voir Joseph Kabila. Il était ambassadeur ici. Il est allé voir Joseph Kabila. Joseph a pris l'avion. Il est allé là pour aller dire pourquoi vous voulez me tuer avec Tshakudi. Et vous voulez aujourd'hui où? À Kigali. Pour aller vendre ce projet-là. Ils sont à vous, Louane, vous, Patrick, à Louane, allez pour vendre ce projet-là. Ils sont en Angola. Je prends colonel Fofa à témoin. Je prends Jean-René à témoin. Je prends pasteur Chabani à témoin. Vous étiez dans mon salon. Et moi, ça, on nous avait donné 4 mois. Et vous venez chaque fois pour dire, oh, c'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Mais c'est vous à qui que j'avais confié à ces gens-là. Vous voulez qu'on libère le pays comment? Avec des gens comme ça. Et vous voulez me dire que, Baya, Bango. Moi, ils cherchent ma mort. Je les aurai avant que vous parliez avec eux. Je vais les avoir. Parce que celui qui cherche, c'est moi. Vous les voyez maintenant en Angola. En espion, ils sont allés espionner maintenant l'Angola. Kagame leur a donné une mission d'aller maintenant s'amuser en Angola. Vous connaissez ce qu'on avait fait. Professeur. Kabengele connaît ce qu'on avait fait. Kabengele doit être derrière cette affaire. C'est lui qui l'a préparé pour que Bakendana na Kigali. C'est Kabengele qui est venu avec des téléphones dans ma maison, qui cahier suivait tout ce qu'on faisait dans mon salon. Ils ont cassé ce projet-là. Et aujourd'hui, voilà, Babimi na poissa, c'est quoi? Babimi na poissa. Et vous croyez que nous, on s'amuse? On ne s'amuse pas. J'ai dit, Patrick Voubou, il doit payer. Professeur, il y a beaucoup de gens. Il doit payer. Prof, Ezana Bate. Prof, m'écoute. Professeur, Ezana Bate. Prof, il est colonel, il est militaire, il sait de quoi je parle. Professeur. On ne parle pas avec les gens comme ça. Professeur, s'il vous plaît, papa. Calmez-vous, papa. Professeur Balobi, na katia politique, parce que Bande Konabiso, Bazaka Soussou, ba combattant, ba résistante. C'est déclara de Konabiso, sergent Mokrekese a déclara que Azali candidat parce, président. Ouais, parce qu'il faisait déjà. Il a dit qu'il n'est plus combattant, ouais, résistant, ouais, à coma politicien. Uh-huh. Et dans la politique, papa, ouais, Moutakoki qui s'est déplacé. Ah, bah, il n'a pas dit ce qu'il a dit Rwanda. Makambo na zo pseza makambo batu misusu o baza pour balobi que non ezate soki kaka bake wana. Yo za ko sala siko yo avocat na bango. Non, je pose des questions. Avec alors. Je pose des questions. Non, moi je suis clair avec toi. Non. Si tu es avec eux, moi professeur, je suis clair. Professeur, je ne veux pas qu'on vienne me tuer ici. Je ne veux pas que Kagame vienne me tuer ici. Il faut éclaircir Bato Mazolanda Biso. Je ne veux pas que Kagame vienne me tuer ici. Moi je pose la question. Les gens cherchent déjà à tuer. Professeur, quand je pose la question, ouais, ezate pona o éclaircir Bato et balobi que ezali normal. Et tant qu'un politicien a kende bamboka nyonso. Moi je suis là, nazo représente. Quand vous entrez dans la sorcellerie, il y a des règles dans la sorcellerie. Quand vous entrez dans le combat qu'on appelle le combat pour libérer le Congo, vous signez un pacte. Vous ne pouvez pas nous dire demain que vous êtes sorti. Ce sont des alibis pour fuir, prendre le devant. Mais il avait déclaré que il quitte la résistance, hein? Quelqu'un résistant qui quitte la résistance. Et puis maintenant, il est où? Au Rwanda. Donc, il jouait avec... Bazan Angola, Bazan Angola, Siko. Non, mais je vous dis que les dossiers que j'avais confiés à Voubou, c'était les dossiers de qui? Siko, papa, Kanda et Nabino Ezali, parce que Voubou, à Longwa, parti politique Nabino... Je ne parle pas de parti politique, je parle de comment tuer Kabila, l'enlever d'abord. Tu as compris, madame? Cette histoire, c'est de vie ou de mort. Vous boivez un dossier de tuer Kabila. Calmez-vous, professeur. J'ai dit que non, parce que tu poses des questions à la légère. Il n'y a pas de parti politique quand il y a un pays occupé. Quand De Gaulle était à Londres, c'était pour tuer les gens qui étaient en France, qui avaient occupé la France. Ce n'était pas pour aller faire de la politique là-bas. Moi, je ne suis pas venu faire la politique à Londres. Je cherche des voies et moyens, comment sortir le Congo de là. Mais quand tu viens tout près de moi, est-ce que vous savez que j'ai donné du travail à vous à l'aéroport de Heathrow? J'ai donné une voiture à Voubou. Hein? Je prends Fofé à témoin. Fofé a fait 10 saluts militaires à Tshakudia comme ça. Président, où est Bokonzi? Bokonzi Yango. Mais aujourd'hui, on est où? Ce n'est pas des affaires de blagues. Donc, ils ne sont pas venus dans la résistance pour venir. Nous, on n'est pas venus ici pour faire des partis politiques. Non, la résistance, c'est comment enlever ces gens-là du Congo. Et il nous tue. Quand Kagame est allé en Afrique du Sud, il avait négocié avec Kayumba. Il avait négocié avec qui ça?
avec son ancien chef militaire et chef de sécurité. Il les a tués. Il a tué les messieurs. Et Kagame dit bien que tout le monde qui s'oppose à notre affaire, c'est pour les tuer. Maintenant, quand ces gens-là viennent tout près de Kagame, ils amènent quelle information? Moi, je me suis retrouvé avec ma maison décrite, même mes chambres à coucher, mon bureau et tout, chez Kabila, chez Kikai, par les Vubu et les Kabengel. Et vous me dites que, parce qu'à Lungwe, parti politique, donc, Lungwe, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de professeur, tu as posé ma question. Bah, Lungwe, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de combattants. Moi, je suis obligé de protéger mes frères. Jusque là, le parce que là, il y a une gravité à Makambo Oyo. Jusque là, le col à Toyo qui n'a nous bangoté, prof. Je demande aux combattants de ne pas écouter ces gens-là. Si, papa, ce sont des assassins. Papa, même même un criminel a promis, Bassam Bissakaye toujours, papa. Même un criminel. Les Britanniques ont dit. Bissakaye toujours, papa. Ça va. Les Britanniques ont dit que c'est les Russes sont venus ici pour empoisonner quelqu'un. Bah, yoka ki Baris, on a jeté 23 diplomates dehors. Et tout l'Ouest a pris la même résolution. L'Amérique a jeté plus de 60 diplomates dehors. Est-ce que Bayonka qui Baris? Dans ces matières-là, on n'écoute personne, on tue. Okay? Alors président, papa, là, il n'y a que des répressions parce que c'est la mort ou la vie. Nous, nous disons la patrie ou la mort. Professeur. La trahison prof, ou la pendaison publique. Prof, nous n'avons pas de dialogue avec les traîtres. Prof. Il n'y a pas de dialogue. Professeur. Absence, il y a des combattants, des résistants. Na Commonwealth, et Boutiko Salamawa, ils ont dû à quoi? Il y a bâton. Ils ont infiltré. Ils ont mis la traîtrise. Ils ont acheté les têtes qui organisent ces histoires-là. Ne crois pas qu'il y a que des gens que vous avez. Donc, quelque part, ils ont fondé des résistants, des combattants. Oui, j'ai dit que nous devons maintenant faire beaucoup d'efforts pour identifier qui est qui. Le combat n'est plus ce qu'il était. Je regarde mes compatriotes combattants, ils me suivent. Ne venez pas ici avec l'histoire des tribalistes. Oh, Madouba, comme ça. Non, c'est pas un problème. Moi, quand il était Madouba, il était l'équateur. Ou bien il était qui? Celui qui est mort là, il était qui? Il était Madouba. Rossi Mukendi. Non, mais je ne veux pas sortir de ma discussion. Je parle de Londres. Albert Mukendi. Mukendi était Madouba ou il était de qui? Quand j'ai vu ces jeunes gens-là venir ici pour parler des tribalismes, oh, des Madouba comme ça, est-ce que. Quand il y a la traîtrise, c'était mon Balouba. Le mot traîtrise, le mot traître. C'est Balouba qui était parti écrire dans le dictionnaire des Français ou des Anglais. Les Français savent qu'il y a des traîtres. Quand De Gaulle était ici, il parlait de ses frères traîtres là-bas. C'était de Balouba là-bas. Donc ne venez pas avec des histoires de terre à terre. Quand vous ne connaissez pas la politique, occupez-vous de Lumbe Lumbe. Mais c'est nous qui faisons la politique. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Au lieu de venir réduire un grand problème à des petites histoires. Oh, les Balouba, les ceci. Mais ça, c'est terre à terre. Le mot traître, c'est écrit depuis que le français est français dans leur dictionnaire. C'était Moulouba qui était parti écrire. C'était Mokongo qui est parti écrire. C'était Mongala qui était parti écrire. Quand Mobutu a trahi Lumumba en 60, il était Moulouba. Il a amené jusqu'à la mort. Il était Moulouba. Un traître, c'est un traître, n'a pas de couleur, n'a pas de tribu. Un traître, c'est un traître. Et on les traite comme traître. Un infiltré, c'est un infiltré. Un espion, c'est un espion. On peut prendre un noir, aller infiltrer des blancs. On peut prendre un blanc, aller infiltrer des noirs. On peut prendre ton frère, t'infiltrer toi-même. Te trahir toi-même. Donc il ne faut pas venir avec des discussions terre à terre. Vous avez pris presque, je ne sais pas, 2 heures à parler des Balouba, des Balouba. Donc si tu as des problèmes avec des Balouba, va régler chez toi, à la maison. Mais quand on vient dans le combat, c'est pour mettre tout le monde ensemble pour libérer le Congo. On ne vient pas ici pour parler de tribalisme, parler des tribus. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Mais papa, balobi tango ba kombo nyonso na makambu oyo ya Congo ezaka kabaluba. Les combos qu'on appelle Amoudal la Tibala Moluba. Non, non, écoutez, moi je ne vais pas sortir de ce cadre du débat. Écoutez, je ne sors pas du cadre du débat. Je suis dans un débat qui engage la résistance à Londres. Tu vas arriver à Kinshasa, ils font leurs histoires de politique classique avec leurs bêtises là-bas. Nous, nous sommes dans la résistance. Je parle de la résistance. Rex Kazadi. Rex Kazadi, c'est qui? Rex Kazadi était un leader de combat. Azala qui combat. Est-ce que c'était un leader de combat? Quand on vient prendre un petit morceau comme ça, on amène n'importe où, vous appelez ça un combattant? Ça nous a pris combien de temps
pour convaincre nos frères de France là-bas pour pas qu'on combat. Babi soki balumuna, soki balumuna. Est-ce que c'est un leader de combat? Ce sont des combattants, papa. Non, écoutez, quand on veut prendre n'importe quelle pièce qui est entre ces gens-là, vous connaissez leur motivation pour venir nous rejoindre. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Parce qu'il y a des musiciens dans le cinéma, tout ça. Il est connu par où? Pas des musiciens, non? Non, on n'est pas en train de faire la musique ici. Alors, papa. On est en train de faire la musique, nous sommes dans une autre histoire. Nous sommes dans un dossier qui nous préoccupe, c'est l'occupation du Congo. Et nous sommes des combattants, des résistants pour pouvoir sortir du Congo de cette merde-là de l'occupation. Nous ne sommes pas en train de faire une politique classique ici. Alors, papa, c'est quoi? Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Moi, mon hyper n'est pas enregistré à Kinshasa. Apparaît qu'on est enregistré à Kinshasa. Hyper n'est pas enregistré à Kinshasa. Vous comprenez, maman? Moi, je ne suis pas enregistré à Kinshasa. Ils ne peuvent pas accepter que je sois enregistré à Kinshasa. Parce qu'ils savent que l'homme le plus dangereux est à Londres. Ils savent. Alors, papa, il y a une autre question. On a l'inga qui n'a tout na yo. Le no oyo, to wuchu ko yo kamakambu oyo, yaminene o, surtout sommet oyo, oyo. Vraiment, ezali très important au batunyon. C'est dommage que les combattants n'ont pas pu faire des manifestations. Exactly, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Mais ma combattant, ma résistant, Bobimi si ma kasi pona ba. Pour voir les décrets d'infiltration. Mais papa, Bobimi si ma kasi pona ba. Mais pourquoi avec la conférence où tu constates la main? Ah, ma combattant va agir. Non, ma résistant, papa. Il ne faut pas parler des traîtres. Les Mokrekes sont des traîtres. Non, je ne veux même pas parler de ces gens-là, je connais ce qu'ils ont fait. Je ne veux pas, je suis pas venu ici pour parler des petits traîtres qu'on achète à 100 francs, bakayi na kigali ou dans le tourisme. Ça, même en Angola où ils sont là, l'Angola m'écoute. Ces jeunes gens-là, il faut les arrêter là-bas. Il faut les questionner. Qu'est-ce que vous pouvez venir faire là-bas, après cette émission qu'ils ont fait échouer? Ils viennent faire quoi en Angola? De Kigali tombe en Angola. Vous croyez que c'est la mise au point? Papa, vous, Balongwaki, Alongwaki, Ponandini, n'a parti politique, na yo. Parce qu'il y a qui bras droit, na yo. Papa, vous, vous n'avez jamais été bras droit. Parce que tu as entendu le français de vous. Moi, je ne prends pas de quelqu'un qui ne sait même pas parler français. Il y a le bras droit. Maître Bameng, il est juriste, il est conseiller juridique, il est juriste ici à Londres. Il a étudié à Londres. Vous avez déjà entendu Maître Bameng parler? Vous avez déjà entendu vous parler? Mais pas jusque là. Vous qui ne savez même pas raisonner, donc il va devenir mon bras droit. Vous, je l'ai fait mis dans sécurité. T'as compris? Mais papa, on est commis bien sûr. Oui, je dis que vous. Non, écoutez, à mon niveau, je ne prends pas n'importe qui comme mon bras droit. Je dois d'abord voir. Même mon boy à Kinshasa, il doit avoir un diplôme d'État. Mon boy à Kinshasa a un diplôme d'État. Je le fais venir 5 comme ça, je fais des tests, après je dis celui-ci devient mon boy. Parce que quand tu es mon boy à Kinshasa, tu dois prendre des téléphones des ministres, tu dois prendre des téléphones de tous mes collaborateurs. Mais papa, qu'est-ce que vous racontez? J'ai dit que mon boy à Kinshasa a un diplôme d'État. Papa Patrick, vous, bois intellectuel, papa. Je ne veux pas parler de son histoire d'intellectuel, c'est moi qui ai travaillé avec lui, je connais son niveau. Tu as compris? Je connais son niveau. Et je lui avais donné un cadre précis. Il n'était pas mon bras droit. Alors pourquoi il a quitté? Mon bras droit, c'est Maître Bameng. Pourquoi il a quitté le parti? Mon bras droit, c'est mon directeur de cabinet qui est juriste, formé en Angleterre, c'est Maître Bameng. Vous avez compris? Je ne prends pas n'importe quel illettré pour le mettre au mon bras droit. On va vous présenter partout. Non. Boubou avait des missions de tuerie. Tu as compris? Des missions que je lui avais données de tuer Kabila. Tu as compris? C'est ça la mission que je lui avais donnée. Mais s'il est pas sorti de ces missions-là pour devenir maintenant politicien avec les Mokrekes, et vous voulez que moi je me réduise à ces niveaux-là, je ne passe le temps là. Je traite avec des chefs d'État, madame. Vous savez pourquoi je suis revenu de France et de Belgique ici? Parce que mes amis chefs d'État sont ici. Donc ce n'est pas ces niveaux que j'opère. J'opère au niveau très supérieur. Mais il fallait normalement Zalanaka Commonwealth, prof. J'ai dit que j'opère à un niveau très supérieur. Je ne suis pas chef de l'État. Je ne suis pas chef de l'État. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des amis chefs d'État. Professeur, il y a une autre question, papa. Calmez-vous. Je sais que Komaka. Non, parce que quand on arrive à Londres, on devient ami de tout le monde. Est-ce qu'à Kinshasa, je suis ami à vous? Moi, à Kinshasa, vous pouvez me voir comme ça 2 mètres. Parce que je suis avec vous à Londres, je deviens votre ami. Professeur, pas comme ça avec des gens. Calmez-vous. Même au cimetière, calmez-vous, papa. Calmez-vous. Même au cimetière, tu verras la tombe, tu dis, celui-là était roi. Donc au Congo, nous sommes tous des amis. Quand on arrive à Londres, on devient des amis. Il ne faut pas jouer avec les gens.
Faut pas jouer avec les gens. Alors, professeur, papa, professeur. J'ai choisi des amis. Calmez-vous, papa, calmez-vous, calmez-vous. Papa, Namakamba conférence, pardon, sommet. Ce qu'ils ont fait, le sommet, mais... ce qu'ils ont fait, ça demande de prendre des armes, les chercher et les tuer. Parce que si on les laisse, ils vont faire beaucoup de dégâts. On ne peut pas parler avec des gens comme ça. Ce n'est pas une affaire de tribu. En résistance, il n'y a pas de tribu. C'est les Congos. Point. Pas autre chose. Les Congos qui nous intéressent, on veut récupérer notre pays. Professeur, avec des gens comme ça, prof, balle, légèreté. Professeur, professeur, Tchakoudia. Quelle légèreté. Na sommet au Outiko Salama, awa papa, et tant que prof. Na résistance au Oumeli papa. Oui. Oyebi makambo ndenge senge ndenge yomokolo baka. Poso to lobi ke prof boete okotomboka lisusu a papa. Non non, non loba na yo. Voilà. Allez, j'écoute. Alors prof. Mais quand il y a des traîtres comme ça, sont, il ne faut pas quels sont les mettre comme mes amis. Non, ce sont pas mes amis. Papa, ba mesure nini bozui par rapport ya sommet au Outio Salama. Est-ce que sommet oyo ekole kanango kaka boye parce que toyoki balobi après sommet Oyo, oui. The next one, Oyekolanda, Eko Salama, na Rwanda. Vous ne trouvez pas que quelque part, Kagame, Bazopé, ça est toujours beaucoup de considérations. Vous avez entendu ça, déjà. Mais quand il est dans le Kamon Nini, ou Welf, papa, c'est de lui quelque part à sa privilégié. Non. L'Angleterre a pris, depuis 1997, le sommet a eu lieu à Londres aujourd'hui. Le sommet devrait se faire, je ne sais pas, dans Vanuatu, dans un pays dans Vanuatu, mais parce qu'il y a des problèmes là-bas, c'est pourquoi l'Angleterre a demandé qu'on peut mettre des structures ici. Il n'est pas dit que demain, ça va aller au Rwanda. Au Rwanda peut abriter tous ces gens-là au Rwanda. Et Kagame va toujours être là dans les 2 ans, dans les 4 ans, dans les 5 ans. Hein? Donc, le Commonwealth, c'est une histoire qui est britannique. Bah, britannique, tu aussi, tu vendais les Bangoao, jeudi. Vous m'avez posé la question, est-ce que vous étiez là-bas? Mais nous avons réussi à prendre un MP britannique, pendant qu'ils étaient ici, qui a posé la question de la fin de politique de Museveni. Au Parlement britannique, il y a eu discussion le jeudi. Pendant que Museveni est ici. Il y a eu discussion sur lui ici. Nous avons réussi à dire à un parlementaire, va poser cette question-là. Ça fait 32 ans que ce monsieur-là est au pouvoir. Il va quitter quand? Kagame, la même chose. Vous avez vu mes tweets pendant qu'ils sont ici. Pendant que la reine parlait, moi j'écrivais là sur le BBC, sur le Facebook de BBC. Mais papa, Bango Bazana Baksho, Bazo travaillé, yoza ko tweet, papa. Ko tweet et ko sale absolument rien. La situation à Congo, tous autres traversés, Nango professeur. Vous avez vu le monsieur, j'ai parlé tout à l'heure aux jeunes, le monsieur là qui a créé Facebook. Vous avez vu qu'il a fait 2 jours au Sénat américain. Vous avez entendu des questions qu'on lui posait? Les réseaux sociaux contrôlent maintenant le monde. Il ne faut pas prendre les tweets. Vous savez ce que ça veut dire, tweet? Quand moi, je tweet, quand mon tweet passe, tous les chefs d'État du monde lisent mon tweet. Et pour écrire un tweet, je prends du temps pour savoir quel mot je dois mettre dedans. C'est vous, tu n'écris pas comme ça. Je sais quel type de mot rentre dans ces tweets-là. Et quand ça tombe dans, chez un chef d'État, à une minute, il sait de quoi. Qu'est-ce qu'il lit? Quand j'ai dit tweet, ce n'est pas écrit du n'importe quoi. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, le chef de l'État américain, il travaille avec quoi? Trump, il travaille avec quoi? Ce n'est pas avec les tweets. Obama a fait la campagne avec eux. Ça peut avec Twitter et Facebook. Alors, il ne faut pas négliger. Le monde a évolué. Le monde n'est plus au siècle d'antan quand les réseaux sociaux n'ont pas existé. Non, les réseaux sociaux ont beaucoup de pouvoir. Mais il faut savoir comment utiliser ça. Je pense que je suis clair. Professeur, tu as une question, Moussousou, papa. Na wuti déjà koloba awa ba tweet et consort et qu'on résoudre le problème ya Congo, te papa. Rwanda, ils vont résoudre le problème du Congo. Quand Kagame les appelle au Rwanda, c'est pour résoudre le problème du Congo. Ou bien Moïse Katumbi qui va aller chez Kagame pour lui donner des armes. Il va résoudre le problème du Congo. Le problème du Congo ne va pas se résoudre comme ça. Il faut une révolution. Et moi, je suis en train de préparer une révolution. C'est pourquoi je suis fâché contre ce petit de vous. Parce qu'il avait confié des choses très graves. Alors papa, au coquille Colombani. Ça va brûler dans ses mains. Papa Tozo. Donc il a mis le feu dans ses mains, ça va brûler à un certain moment. Professeur Julien, papa,
okoki siko okoloba nini parce que et étonné biso komona na conférence de presse oyo ba uti ko clôturer nango sommet ya Commonwealth. Oui. Tomoni présence ya Museveni te. Est-ce que ils ont la lecture moko koko ça là par rapport nango? Mais je vous ai dit que j'ai dit la question de Museveni était posée au Parlement britannique. Comment le sortir de là? Et quand on sort Museveni de la présence de l'Ouganda, c'est le début de la fin de la crise du Congo. Parce que c'est lui le patron, il y a Kagame, c'est Museveni qu'on a aidé à concevoir l'agression du Congo et même l'occupation du Congo et les pillages du Congo. Mais nous sommes en train de travailler stratégiquement pour en ayant dit Museveni. Si vous ne l'avez pas vu là-bas, et son profil a été tombé toute la semaine, le profil de Museveni était trop bas. Même le profil de Kagame était trop bas. Parce qu'avant de venir ici, Kagame avait fait un test. Il avait fait venir tous les chefs d'État africains chez lui à Kigali. Mon ami Buhari a refusé de partir à Kigali. Vous comprenez ce que je vous dis là? Buhari a refusé de partir à Kigali. Le président angolais, je pense qu'il avait refusé de partir. Museveni lui-même a refusé de partir. Kabila n'est pas parti. Donc, on a mis une situation très difficile à Kagame avant de venir ici. Et quand ils arrivent ici, nous posons maintenant le problème de Museveni à travers des parlementaires britanniques. Ces messieurs, ils troublent non pas seulement le développement de l'Ouganda, mais le développement de toute une sous-région, la sous-région des Grands Lacs. La question a été posée au Parlement britannique le jeudi. Alors, c'est tout à fait normal que vous avez compris que Museveni, soit il est fâché, soit on l'a indexé, et c'est comme ça qu'on ne le voyait pas à la chose. Mais moi, ça ne m'intéresse pas qu'il soit là. Ce que vous me dites là, c'est déjà un gain. Ça veut dire que vous venez de me dire que nous avons gagné. Ce que vous venez de dire, parce que moi, je n'ai pas regardé, avant de venir, je n'ai pas regardé la prochaine. Gagner ce qui Kabila, qu'il est au gagné. Jusque-là, Kabila n'est pas parti, papa. Papa, il y a une autre question Nalinga qui n'a posé. Nalingi n'a posé une autre question. Que Kabila parte comment? Prof, Nazo posé une autre question, papa. Ça a pris 20 ans pour asseoir Kabila. Professeur, prof. Ça va prendre aussi beaucoup de stratégies pour le faire partir. C'est-à-dire, en 2018, prof, Kabila cause la caca. Selon Bino. Moi, je ne suis 2018. Pas venu ici pour dire à Kabila que tu pars demain ou après-demain. Il va partir. Vous avez compris? Il va partir. Professeur, est-ce que. Parce que quand je suis en train de parler avec vous, lui aussi me suit. Professeur, lui dire que non, tu pars demain pour qu'il dise oh ben je vais partir par où pour qu'il commence à s'organiser. Non, nous allons le professeur surprendre. Professeur Julien, nous allons le surprendre. Prof, papa, ezana batumusu balobi, il fallait normalement biso tokotana Commonwealth parce que francophonie ezali mawamingi kozala na kacha francophonie peut-être soit ozana Commonwealth tokozwa bavantage ya makasi et pas banglais parce que banglais bazali grande puissance. Est-ce que kolobanini par là? Moi je pose la question. Yeah. Si Kabila aussi prend le Congo et met dans le Commonwealth, nous allons sortir comment? Moi je pense que il n'est pas temps pour moi maintenant de parler de ces questions là. C'est une question très stratégique. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas répondre pour le moment. J'ai ma réponse, mais je me réserve moi-même le droit de ma réponse. J'ai ma réponse là-dessus. Alors, prof. Le moment venu, quand je serai président du Congo, je vais évaluer maintenant ce que je veux faire du Congo. Prof, Ezana Bate Bele Balobi, que professeur Julien, Azana, discours moko, na papa Honoré Ngwanda. Oyo, Azobunde la Congo, vous avez un même discours. Il y a occupation. Bakendaka l'élection te tant mboka isa occupé. Est-ce que papa bandeko balobi bokoki ko sangana te? Est-ce qu'on vous avait dit que moi j'étais ennemi de Ngwanda? On est Ngwanda, c'est un frère congolais. Mais azo luka batu bosa la force papa. Donc vous posez une question, il faut oyer basikoyo pourquoi Tchakuni est dans cette position. Bato et bazako tuna yo ke tuna nanu prof Tchakuni soki bakoko sangana na Ngwanda. Bazaba nani? Est-ce que vous pouvez me donner leur nom? Mais bah monsieur super bah benga qui on a pensé qu'il bangou numéro non à téléphone quand même bah benga ils m'ont jamais appelé ils vous ont appelé vous. Mais si vous me dites que tel a appelé, il m'a dit ça, tel a dit, parce que c'est pas des choses qu'il faut cacher. Il faut dire que tel combattant ou tel ici a manifesté l'intention de dire comme ça. Comme ça, je vais lui répondre. Parce que même Bandeko, même Bandeko, on a biso libita azolanda biso na papa na biso makeleka baloba qui peut pourquoi beaucoup s'en parce que ce sont des petits.
sont des petits poissons. Ils ne connaissent, est-ce qu'ils connaissent où se trouve Ngwanda? Mm-hmm. Les bites là, est-ce qu'ils connaissent là où se trouve Ngwanda? Est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils savent ce qu'il y a dans la tête de Ngwanda? Mais quand Ngwanda m'avait contacté, moi, Tchakoudé, ici à Londres, pendant 2 ans, j'ai parlé avec Ngwanda, Honoré Ngwanda, là où il est, il m'écoute. Et quand il m'a téléphoné, il téléphonait avec les téléphones masqués. L'équipe, voilà, 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 voilà. Et les deux personnes que Ngwanda m'a donné à Londres, ce n'est pas les gens que vous voyez à la Parigora. Il m'a donné que deux noms. Le premier nom qu'il m'a donné, c'est Moussim. Le deuxième qu'il m'a donné, c'est Ngwale. Je ne connais pas les restes. Alors, avant de demander à Moussimi, que, est-ce que moi et Ngwanda, on n'a jamais parlé? Et ça aboutit à quoi? Au mensonge? Moi, je ne suis pas là pour écouter des mensonges de Ngwanda. Ok? Moussimi est ici. Ngwale est ici. Ngwanda m'avait donné que deux noms. Et j'ai rencontré Moussimi le premier. C'est Ngwanda qui m'a présenté Moussimi. Je ne le connaissais pas. C'est Ngwanda qui m'a présenté Ngwale. Je ne le connaissais pas. Ok? Il ne m'a pas dit, voici les représentants d'Apareko. Voici. Non, il m'a dit, j'ai deux personnes là-bas. Outana Nabango, Solana Nabango, comme ça on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais ça a pris 2 ans. J'ai fait quoi avec Ngwanda? J'ai dit à Ngwanda de ne plus continuer à me téléphoner, à me mentir. Comment vous allez travailler avec quelqu'un qui se cache? Hein? Comment tu... Moi je suis ouvert, vous me voyez. Mais Ngwanda, vous allez le trouver où? Vous me dites d'aller voir. Alors, dites à ces gens-là qu'ils viennent me prendre, qu'ils m'amènent là où se trouve Ngwanda, parce que je lui ai demandé ça plusieurs fois. Mon cher, tu es où? Je viens là où tu es. 2 ans. Je ne suis pas à Londres pour perdre mon temps. Mais à l'objet, il y a ceux qui ont abîmé Bobakoboma facilement. Il faut se protéger. Moi, on ne l'a pas tué. Moi, on ne peut pas me tuer. Lui, il a des corps, le corps de quoi? D'oiseau ou de poulet ou de poisson. Il a peur de quoi? Et puis, quand ces gens-là viennent, ils vous parlent, il faut quand même leur poser la question. Ils ont combien d'argent depuis qu'ils ont quitté Mougoudi? Ngwanda a combien d'argent? Qu'est-ce qui peut amener à la résistance? Koloba, Koloba, comment tu as coûté? Moi, je n'ai jamais volé le Congo, je n'ai jamais dirigé le Congo. Mais Ngwanda a dirigé le Congo avec son frère Mobutu 32 ans. Il est sorti avec quoi pour amener à la résistance, à la table de la résistance, qui nous amène de l'argent. Quand j'ai causé avec Honoré Ngwanda, je lui ai dit que mon frère, tout ce que tu peux amener, c'est au moins 10 millions au Tina Mesa, et moi je vous donne le Congo. Ngwanda n'a même pas 1 franc à donner à la résistance. Mais il est utile à quoi? Est-ce que les gens que vous recevez, les libites que vous me citez là, ils ont $100 dans leur poche. Ils n'ont rien. Ils ont zéro. En 32 ans de pouvoir. Papa, aucun d'un qui peut checker ma compte de la banque, papa. Écoutez, moi, je peux sortir mon compte demain. Ils n'ont rien. Et ils amènent quoi, 32 ans de pouvoir à la résistance? Zéro. Et qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça? Même si vous leur donnez le pouvoir demain, ils vont en faire quoi? 32 ans, ils sont sortis de là avec zéro. Mais quel discours vous amène à la résistance? Moi, je veux que... Quand Ngwanda vient me rejoindre, ou bien quand je vais rejoindre Ngwanda, qui me disent, moi avec mon frère Mobutu, voici ce que je peux mettre à la résistance. Je mets 10 millions, je mets 50 millions, je mets 20 millions. Ok? Là maintenant, on peut aller acheter des armes, on peut voyager, rencontrer des gens qui peuvent nous aider à... Mais vous arrivez seulement avec des discours. 32 ans de pouvoir avec zéro. Et même si on vous donne demain, vous allez faire quoi encore? Vous êtes des enfants. Moi, de useless person, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de un Congolais qui vient, qui me dit, nous avons de l'argent, avançons vite et puis récupérons notre pays. Mais vous avez été au pouvoir 32 ans. Vous voulez qu'on vous donne encore pour faire quoi avec? Vous avez joué avec le pouvoir. Vous-même, vous n'avez rien. Vous allez me donner quoi? On va faire la résistance. Professeur. Ngwanda à zéro. Prof. Libita à zéro. Tout le monde à zéro. Prof. Ils ne sont pas différents de moi. Mais gérer le Congo. Merci beaucoup, le patriarche. Quand ils viennent chez vous, il faut leur demander qu'ils ont combien à mettre sur la table. Parce que moi j'ai chassé mon bout du pouvoir. Ils m'ont trouvé en train de faire mes histoires ici. Et ils amènent quoi? C'est eux qui géraient le pouvoir. Ils amènent quoi? Quel argent ils ont pour mettre sur la table? On ne peut pas faire la résistance en parlant, en écrivant des bouquins. Merci beaucoup, okay. Professeur. Mot de la fin. Il a écrit comme ça, il avait dit comme non, amenez l'argent. Mot de la fin, papa. Vous aviez le pouvoir où on a dansé pour vous pendant 32 ans. Vous avez de l'or, du diamant, du coltan. Vous aviez tout dans votre main avec votre frère. Vous amenez zéro, vous commencez à nous écrire des livres et parler. Et vous me dites, moi, d'aller chercher des gens comme ça. En anglais, on dit les useless people. They are useless. Parce que quand Joseph Kabila qui est venu là, ça fait pas longtemps, il a déjà 50 milliards. Si Joseph vient en rébellion, en résistance, les jours qu'on va les chasser là, il va créer maintenant des guerres. Parce qu'il a l'argent.
Mais bango ba yelani. Oyebi combien papa Ngwanda dépense na Kinshasa wana na batu na ekotinda ndenge bango moko ba papa libita. Combien papa Ngwanda dépense? Est-ce que koyana ngo na na média ko exposer yango professeur Julien? Est-ce que quelqu'un qui a géré le pouvoir pendant 32 ans, qui n'a jamais nourri ses militaires, qui n'a jamais acheté les habits pour ses militaires, qui a détruit toute l'armée, quand il vient à la naissance, il va commencer à payer, à aller envoyer l'argent à ses militaires. Il vous raconte des histoires. Okay? Merci beaucoup. Il vous raconte des histoires. Mot de la fin. Envoyé quoi que ce soit là-bas. Mot de la fin, papa. Ils ont parlé ici. Attends, maman. Il y a un dossier que je veux aborder maintenant avec vous parce que vous avez posé ce problème de Ngwanda avec ces hommes-là. Il y avait un monsieur qui était sorti, qu'on appelait Lobala, qui parlait dans des internets ici. Les Libites ici ont amassé de l'argent. Oh, nous avons des militaires ignorés. J'ai fait venir Tichim. J'ai parlé moi-même, Tchakoudia, avec ces Lobala. Hein? Qui cotisait l'argent, le monde entier des combattants. Et voilà qu'est-ce que je vais faire. Je fais venir Général Tichim ici. Je lui ai donné la mission. Va à Brazzaville, rencontre Lobala, rentre avec lui en brousse. Et nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons faire route ensemble avec Ngwanda. Tshisekedi est parti et reparti à Bruxelles. Il est venu de Bruxelles. Paix à son âme aujourd'hui. Général Tshisekedi est venu ici. Il est reparti à Bruxelles. Deux semaines après, j'appelle Général Tshisekedi. Je l'avais mis en contact avec Colonel Fofé. Bossa l'ensemble. Tshisekedi, deux semaines après, je lui dis, tu es où mon général? Oh président, vous voulez que Bakendo Kubumanga aille à Brazzaville? Vous avez continué dans une aventure. Tu dis, quelle aventure? Je cause avec le balai tous les jours. Et Tshisekedi va me répondre ceci, il me dit, ton Lobala a un téléphone satellitaire que Ngwanda a payé, il a mis un numéro du Congo Brazzaville et Lobala vit ici à Liège. Je suis allé, je l'ai appelé, je lui ai dit que je vais tomber chez toi. Général Tshisekedi, c'était un commando. Vous avez compris? Il a dit, je vais tomber chez toi. Lobala dit, oh vieux, koye kubumangaite. Tshisekedi me dit ceci. Il me dit que Ngwanda a acheté mallette satellitaire, enregistrée à Brazzaville. Et Lobala parle, tout ce qu'il parle là, il est à Liège ici. Il n'est pas en brousse là où il raconte des histoires là. Il est à Liège ici. J'ai vu Bolozi à Bruxelles, général Bolozi. Je lui ai dit cette histoire là. J'ai dit que votre Lobala vit à Liège ici. Il dit effectivement c'est vrai, il vit à Liège. Et vous me parlez de ces gens là, ce sont des menteurs, des margoulins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mot de la fin, professeur. Namoni Lelo, tension est à la qui m'a cassé. Pour ma cambo, ils ont les cas. Oh yo. Papa, mot de la fin. S'il vous plaît, papa, t'as commis presque Nasuka. Mot de la fin, papa. Moi, à la fin, yes. Je retourne à ce que maman Bobby Ladawa m'a dit à Rome. Nous avons rencontré Mama Bobby il y a 2 ans, par hasard, au Vatican. Et j'étais avec Mama Del, qui fête son anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire, et Maître Bamenga, qui est avocat. Mama nous a vus, j'étais en écharpe jaune, quand le protocole du pape me prenait, me déposait pour le service et tout. Et à la fin de la messe, Mama Bobby a quitté là où elle était, dans les conditions qu'elle était, que je ne vais pas citer ici. Papa, à 2 mètres, j'ai reconnu que c'était Maman Bobby. J'ai crié, Maman Bobby, j'ai embrassé Maman Bobby. Maman Bobby a commencé à parler, devant Maître Abamenga, devant Maman Del. Il était accompagné de 2 enfants. Papa, Pese Bisomboka, papa. Papa, Tolembi Mboka Yabato. Papa, Pese Bisomboka. Devant mes 2 collaborateurs. Ça veut dire que Maman Bobby ne connaît pas qu'un Ngwanda existe. Pourquoi il vient me demander ça à moi? Je vais seulement demander à mes compatriotes. Je ne suis pas venu ici pour Naya ou pour le Miken Ngwanda. Ngwanda, c'est un frère que j'aime beaucoup. Il a beaucoup d'informations sur ce pays-là. Mais comme je lui avais dit plusieurs fois pendant qu'il m'appelait, j'ai dit, si tu as l'argent, on trouve la solution. Mais comme il n'a pas d'argent, il devient inutile. Mot de la fin, papa. Mot de la fin, c'est ouais, ceci. Ouais. Je demande à mes frères combattants, Boubima Makamouya Tribalisme, nous avons le temps d'être ensemble. Mais nous devons savoir nous dire des vérités. Si je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas dire aux gens, je peux faire. Si je peux faire quelque chose, je peux dire, j'ai des capacités pour faire ça, ou ça, ou ça. Ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Parce qu'ensemble, chacun amène tout ce qu'il peut pour que notre maison puisse se construire. Notre maison, c'est quoi?
Nous devons libérer le Congo le plus vite que possible de cette occupation. Ça fait plus de 20 ans que ce petit peuple est sur nous. Mais nous avons comme ça, ce qui arrive ici, avec ces jeunes gens dont je ne vais plus encore citer de nom, c'est trop grave. Alors je demande à mes frères combattants que tous à la vigilance, un traître, on les traite comme traître. Un espion, on les traite comme espion. Un infiltré, on les traite comme un infiltré. Un occupant, on les traite comme occupant. On ne négocie pas avec un occupant. On ne négocie pas avec des traîtres. On ne négocie pas avec des infiltrés. On ne négocie pas avec les gens qui deviennent des insectes qui viennent pour ronger notre lutte. Je salue les jeunes combattants qui ont payé cette émission. Donc, ils ont compris la gravité de l'affaire. Je suis venu pour vous honorer. Je lève mon chapeau pour vous, mais je demande à tous mes frères combattants, à tous les camarades combattants et des mamans combattants, le temps est très grave. Les amis Makambali s'est quitté parce que Mukendi ne rit pas là où il est parti. Vous jouez, vous mourrez. Nous, nous disons la patrie ou la mort, la trahison ou la pendaison publique. Et nous restons là-dessus. Si nous ne restons pas sereins dans ce que nous faisons, si on n'est pas sérieux dans ce que nous voulons faire, les gens vont nous tuer. Et si on tue deux ou trois ou quatre de nous, nous allons être paralysés. La preuve en est que cette semaine, toute la semaine, Kagame Museveni était à Londres, il n'y a pas eu de manifestation. Donc nous sommes déjà paralysés. Il est temps que tu relèves maintenant les degrés, il y a combat d'abisson. Tu redoublé vigilance. Maseki Ezalate, la patrie ou la mort, la trahison ou la pendaison publique. Je vous remercie. Congo, il faut aller à la caca. Il n'y a pas Congolais. Tokolongwa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le patriarche, professeur Julien Tchakoudia. Tolandaki, merci beaucoup la bande de réunion sur Obolandaki Bissona Pokana Lelo. Alors, bah, commentaire à Kosa la Ezalite. Donc, Tozo continue toujours lutte Oyotina. Libération totale, il y a RDC Mbokana Bisso. Boki tete, parce que Bolimbisi Tobandi émission en retard. Lelo Ezali, je sais qu'Eza vendredi, Eza week-end, Bana Bokende classe T. Tozo la bande de réunion Bisso, Bauti Moussika. Tozo sa na bango, une émission. Bazan un message très fort. Yakope Sanabino après émission Oyoya Prof. Un grand merci na professeur pour Natanaye. A tout de suite pour la bande de merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Bon travail, merci. Beaucoup de courage. Et merci. Merci aussi à tous vos collaborateurs. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Bye bye, bye bye, bye bye. Kato Kangeka. En tout cas, le sac là-bas à Londres. Hein. Give me your ID if you are from Nigeria and you're going to leave here alone. Vous voulez le mot à ouah, tantôt vérifier. Vous allez le Rwanda? Well, this is not the président à Rwanda, donc, bah, kangye kato, kangye ka, en tout cas,